Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chou, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale ouverture de cartes Pokémon. Nous allons découvrir et ouvrir la valisette coffre au trésor d'Arceus et le coffret achécateur V-Star. Veuillez m'excuser, la qualité vidéo n'est pas incroyable, mais bon, espérons avoir des super cartes. Bonne vidéo à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite ouverture d'un coffret légende Arceus et... un coffret achécateur V-Star. Première ouverture de cartes Pokémon sur la chaîne. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai déjà pré-ouvert les différents produits afin de ne pas perdre trop de temps. Donc nous avons des boosters Astre Radieux, un point de fusion, un évolution céleste et un épée bouclier style de combat. Et je vous propose de commencer par style de combat. Alors vous m'excuserez, je ne connais pas l'ordre des brillantes. Le code online. Nous allons commencer par découvrir un Remoraid, Onyx, Midibulle point final, d'accord. Suribou, Pachirisu. Roray, Mimiki V, oh la classe, magnifique, magnifique Mimiki, une énergie métal, la tour de l'eau en style 1000 points, un Luxio en style 1000 points et un Boostiflore. Je vous propose de continuer avec un évolution céleste. Espérer que Nymphalie nous porte autant de chance que Tyranocif. Voilà, fameuse ouverture facile. Donc, on s'est spoilé la première carte, qui est un chauve-sourire. Voici le petit code online. Donc nous commençons directement cette ouverture par un chauve-sourire, un tritonde, psychoquack, oh, Evoli avec un petit Rayquaza dans le fond, trop bien, Bombidou, magnifique charpe d'eau en reverse. Waouh, Pyrax V. Oh la vache. Ah ouais, magnifique. Une énergie feu. Montagne orageuse. Un Dracaos avec une énergie dragon. Un bec à glaçons. Là, c'est la folie aujourd'hui. Trop classe. Prochain booster, point de fusion. Voilà. Point de fusion. Hop là. Le petit code. Tac. Donc nous avons commencé par un petit Galvaran. Enfin, super joli quand même. Moumouton. Il est trop drôle son design. Tournicoton, petit gobou, super beau, Sablette, je dirais qu'ils n'ont pas à modeler, Vostourno Reverse, Kaorin rare, énergie métal, Darkrai, Crocodile, Inésia, éclat d'Inésia en point de fusion. Et nous allons passer donc aux deux boosters Astre Radieux. Le petit code. Et c'est parti! Feu Forêve. Nous avons un petit Barloche, un sécateur,
avec le dresseur en fond. Evoli. Scarino. Beaudrive. En reverse. C'est joli. Waouh. Serbilin. Il est magnifique. Il est magnifique, Serbilin. Une énergie feu. Waouh, décidément, les énergies elles sont de plus en plus jolies. Et bon. Fortifiant obscur. Magnéton. Et les marées bouche bée. Allez, une petite carte V peut-être dans le booster de Typhlosion. On y croit. Nous sommes tous spoilés la première carte. Bien dire, je vais vous donner le petit code. Voilà. Que je n'utilise jamais pour le online, donc vous pouvez vous faire plaisir. Un petit pijako pour commencer, avec la zone volcanique derrière. Super beau. Archéomyr. Dans le temple d'Archéus, avant que ça ne devienne les colonnes denses. Vachement cool. Le Brindibou. C'était une carte. Brindibou Moustillon. Booster Typhlosion. Je crois que c'est bien fait exprès. Un sécateur. On l'a vu juste avant. Il est super beau. Waouh! Typhlosion Dissuit. En reverse. Waouh! Il est super joli. Et derrière, ça sera Shaymin la rare. Bah, il va aller coup, Typhlosion. Derrière, une énergie combat qui est magnifique. Ah, j'adore les énergies dans cette extension. Chaussures de randonnée. Aquaquac. Lino. Qu'est-ce que Lino fout dans Légende Arceus? Oh, c'est cool aussi de revoir un champion de la G6. D'accord. Allez, on va faire le petit récap de ce qu'on a eu. Nous avons la magnifique carte Jumbo de Hécateur V-Star. En plus de ça, nous avons donc les stars, sans mauvais jeu de mots, du coffret. Un Hécateur V, qui est vraiment magnifique. Ainsi donc que le Hécateur V-Star. Est également magnifique. Concernant les boosters, nous avons donc obtenu un Shaymin en rare, un Kaorin rare, un Charpedo Reverse, un Groray Reverse, un Vostourno Reverse. Un Beaudrive Reverse. Un Typhlosion Forme Dissuit en Reverse. Et on arrive au lourd. Un petit Serbilin en holographique. Nous avons Pyrax V. Vraiment trop 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 beau. Et juste derrière, un Mimiki V. Lui aussi magnifique. Donc voilà ce que nous avons obtenu pour le coffret Hécateur V-Star. Nous allons donc pouvoir passer au coffret d'Arceus. Nous y revoilà pour la deuxième ouverture. La boîte d'Arceus. C'est comme une sorte de lunchbox. Avec un magnifique Arceus dessus. Je ne me suis spoilé de rien du tout de ce qu'il y a dedans. Oh. Déjà là, nous avons les trois starters du jeu. Brindibou, Hérissandre et Moustillon. C'est une magnifique pièce qui est à l'envers. De Arceus
Nous avons là du coup un code promotionnel que je vous offre. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous avons dedans? Donc forcément, plein de boosters. Ce sont des stickers. Stickers à l'effigie de Arceus, Brindibou, Moustillon, encore et toujours Arceus, et Irisandre. La classe. Et encore une fois, les starters, mais en beaucoup plus grand. Nous avons quoi ici? Je suppose que c'est peut-être pour mettre les stickers dedans. Un petit carnet pour Arceus. Et tout en bas, un petit classeur de collection, format taille de poche. Je vous propose qu'on entre dans le vif du sujet. Booster star étincelant, un booster voltage éclatant, évolution céleste et point de fusion. On va commencer par le booster point de fusion, au pif. Ectoplasma porte-nous chance. Le petit code promotionnel. Voilà. Et on commence directement par un Fantéorme en point de fusion. D'accord. Un Makuhita en point final. Un Minisange. Trop chou. Un Darumaron de Galar. D'accord. Gripat en forme 1000 points. La tranche de bacon. Ok. Araqua en reverse. Sympa. Et Latios en point de fusion. En rare. D'accord. Une énergie ténèbres. Super belle. Un Aflama noir. Mushana. Et Gravalanche. Aucune carte V pour commencer. On va voir si on peut rattraper ça juste derrière. Avec évolution céleste. Bah, nous sommes spoilés de la première carte. What what? Alors, je vous donne le code. Et donc c'est parti. Donc, nous avons vu le magnifique petit What what. Vraiment adorable. Kubutoki en point final. Ça, c'est un peu contradictoire. Love Disc. Très beau avec les petites fleurs dans l'eau. Krabicoc. On le voit presque sortir de son rocher. Un Hippopotas. Wow. Oh. Oh yeah. Dryel en reverse. Oh, le dessin. Eh ben. Ah, il est vachement cool. Vachement surpris. Ah, c'est Mastouf, la rare du booster. Ah, pour l'instant, pas énormément de chance. Hein. Une énergie métal. Roy. Ok. Seracrawl. Vigoroth en point final. Et c'est le point final du booster. Dans le booster voltage éclatant. Avec un petit Pikachu. Allez, Pikachu c'est le petit Raichu. Ça devrait normalement me porter chance. Déjà l'ouverture facile qui est... Oh, aïe 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 aïe. C'est une catastrophe. Nous avons le petit code que je vous donne juste ici. Tac. Donc, commençons par Grindur. Un Riolu. Mascaïman. Vachement cool l'illustration aussi. Welmer. Aspico. Stylé aussi. Duralugon en reverse.
Vachement cool l'illustration aussi. Et Astakuda en rare. Décidément, on n'a pas beaucoup de chance là-dedans. Une énergie plante. Cocon fort. Fromage meumeux. Pas mal la référence. Ténéfix. Déjà, les boosters sont très bien scellés. Donc, le petit code, voilà, je vous donne. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour recopier le code. Donc, nous commençons par Electek, qui, ma foi, super joli. Brutalibré, qui n'est pas très joli. Mustéboué. Grignote, avec une petite énergie dragon, super joli. Cracnoa, Chimpanfeu en reverse, super joli. Et les câbles en rare, avec un petit maganon derrière. L'illustration, elle est super jolie. Mais ce n'est pas une carte V. Waouh! Énergie électrique, vachement trop trop belle. Hyper Ball, qui est aussi très très joli quand même. Entropius qui est en train de crier son âme. Fourbelin. Et on termine là-dessus. D'accord. Tu es la dernière chance pour avoir une carte V. Ne me déçois pas. Allez, allez. Bon, on peut dire adieu au booster. Et on s'est déjà spoilé du coup la carte avec le petit code. Voilà. Nous avons un petit Stalgamin pour commencer. Un Tarinor. Un Deden en psy. Il n'est pas censé être électrique fée. Ok. Ma foi, c'est original. Polarub. Voilà, je me spoil. Pixie. Il est trop adorable. Il est trop adorable. Boreas. Super cool en reverse. Aïe 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 aïe. Dracarmin en rare avec un dragon dessus. Une énergie eau super jolie. Pachirisu qui est trop trop content. Ouais! Une assurance échec. Oui, non mais vous voulez me faire passer un message là? J'ai aucune carte V. Et un Luxio pour terminer. Le petit résumé du coffret d'Arceus. Je n'ai pas eu beaucoup de chance. Donc nous avons eu Mastouf en rare, Latios en point de fusion, une énergie dragon dessus en rare, Astakuda en rare, et les câbles en rare, Dracarmin en rare, avec une petite énergie dragon dessus. Ensuite nous avons les reverse, nous avons la magnifique Drailleul reverse, Araquah reverse, Duralugon en reverse, c'est aussi une de mes préférées du booster. Chimpanfeu en reverse. Boreas en reverse. Et nous avons donc là les cartes promotionnelles Moustillon en holographique. Hérissandre holographique. Et Brindibou holographique. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les vidéos suivantes. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram et mon nouveau Twitter, lien dans la description et en commentaire épinglé. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant la prochaine, je vous dis portez-vous bien, allez, ciao tout le monde.